Voyage au pays du dodo. Aux éditions L'École des loisirs. Pop raconte une belle histoire à ses amis et ils s'endorment aussitôt. Commence alors le grand voyage vers le pays du dodo. Six petits moutons emmène Pop et ses amis tout en haut du ciel, tout là-haut sur un nuage. Ding dong, tintillent les étoiles et tout le monde s'éveille. C'est alors que le lit de Pop et de ses amis glisse à toute vitesse sur un immense toboggan de nuages. Oh là là! Il file dans l'espace, comme une comète. Mais catastrophe! Le lit plonge au milieu d'un océan rempli de requins. De mystérieux requins qui nagent vers une grotte. Une grotte de pirates! À nous les trésors! S'écrie Pop et ses amis au milieu de la nuit. Au revoir les requins, dit Titi. Eh merci, vous êtes très gentils. Regardez, il y a des clés en or qui brillent derrière ces coffrets, dit Zaza. Pop et ses amis les ouvrent aussitôt. Waouh! Dans les coffres, il y a des pyjamas de roi, des doudous pour chacun, des brosses à dents en or et de vieux livres d'histoire de pirates. Toc, toc, toc! Vite, vite! Le train du dodo va partir, dit alors Lily Tchouk qui vient les chercher. Tchou-tchou! Installez-vous! Je vais faire passer. Faire un bisou à chacun, dit Lily Tchouk. Et voilà Pop et ses amis en route pour le château du dodo. Les voilà enfin arrivés au pays du dodo et des rêves. Bonne nuit, Zaza et Boubou. Bonne nuit, Titi, Coco et Fifi. Et bonne nuit, Pop. C'était Pop au voyage au pays du dodo. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce et n'oublie pas de t'abonner. Merci !